Nityananda, Dame, je vous souhaite la bienvenue à tous avec mon amour et mes respects et les bénédictions de mon gourou, sa divine sainteté. Dans cette vidéo, j'ai reçu un commentaire dans une des vidéos en anglais où il n'y avait pas de traduction, donc je me suis dit oui, de toute façon, il faut que je le fasse aussi en français parce que le contenu est très intéressant. Dans cette vidéo, je veux partager si pour réduire l'hindouisme en un mot, et je voulais parler de mon expérience de ce mot et comment est-ce que je le vis, comment est-ce que je l'ai expérimenté avec Swamiji. Donc, si pour l'essence de l'hindouisme peut être mis en un mot, et c'est Brahman. Donc, le Brahman, c'est l'espace de superconscience qui englobe tout, tout ce qui est manifesté. Dans tout l'univers, tous les univers, et tout, actually, Swamiji dit, tout ce qui est manifesté et non manifesté. Tout ce qui est manifesté et non manifesté font partie de Brahman. Et Brahman, c'est la réalité, parce que c'est toujours présent. Quelque chose qui est changeant ne peut pas être considéré réel parce qu'il change. C'est pour ça que tout ce qui est manifesté n'est pas considéré réel parce que c'est constamment en train de changer. Mais il y a certaines choses qui ne changent jamais. Et ces choses-là sont éternelles. Et Brahman est la principale, le principal espace qui est toujours présent, peu importe le niveau de manifestation dans le monde manifesté. Maintenant, je voulais parler d'un Mahavakya. Mahavakya, c'est une cognition, une puissante cognition puissante que le gourou t'initie dedans. Et nous, on a reçu l'initiation Om Nityananda Paramashivoham. Mais dans le passé, Swamiji l'a aussi fait mention à d'autres Mahavakya dans différentes traditions. Puis il y en avait un qui avait cliqué avec moi qui signifie la même chose que Paramashivoham, mais ça se dit Aham Brahmasmi. Donc, Aham Brahmasmi, ça veut dire je suis Brahman. Paramashivoham, ça veut dire je suis Paramashiva. Paramashiva et Brahman, c'est la même chose. Différentes traditions dans l'hindouisme vont associer le principe de Brahman à différents déités. Mais le principe reste le même. Que ce soit Brahman dans la tradition des Vedanti, que ce soit Paramashiva dans la tradition des Shivaites, que ce soit Mahavishnu dans la tradition des, je sais pas, des Vishnuites, que ce soit Ganapati dans la tradition des Ganapatites, que ce soit Devi dans la tradition des Shaktas, différentes traditions, et puis ils voient ce principe de Brahman à travers différentes formes, mais c'est le même principe. Et l'objectif de l'hindouisme, c'est de te faire réaliser que tu es Brahman, tu es Paramashiva, Paramashivoham, Aham Brahmasmi. Et la raison pour laquelle ce Mahavakya de Aham Brahmasmi avait connecté avec moi, c'est parce que l'expérience du son de ce Mahavakya pour moi est très forte. L'ampleur et la vibration que ça génère en moi, la première fois que je l'ai entendu, le Aham, c'est tellement vaste, tellement vibrant, tellement réel. Puis après, ça passe du bas du ventre et ça monte vers la cage thoracique où ça se compresse et s'intensifie. Puis à la fin, ça se finit comme un coup de couteau en disant Asmi, Aham Brahma Asmi. Donc quand j'ai entendu ce Mahavakya pour la première fois, je ne sais pas, l'expérience du son interne, quand j'ai entendu le Mahavakya, ça m'a donné un glimpse, un aperçu de cet espace de puissance, cet espace ultime. Et c'est pour ça que je connecte beaucoup avec ce Mahavakya, avec Paramashivoham et Aham Brahmasmi, ce sont mes Mahavakya favoris. Et je voulais partager ça parce que, encore une fois, l'essence de l'hindouisme, c'est de réaliser que l'on est Brahman, c'est de réaliser que l'on est Paramashiva. C'est très différent pour nous parce que dans l'éducation, quand on est élevé, on n'a pas été élevé avec un principe d'unité, de oneness, de l'unité, voulant dire que même si les manifestations sont différentes, elles viennent tous du même espace. Et cet espace, il existe dans chaque manifestation. Donc, il faut sortir de cet espace de dualité. L'objectif de l'hindouisme, c'est de nous faire réaliser qu'il n'y a pas de dualité. La dualité, c'est une illusion créée par le mental parce que quand on prend un corps humain sur le plan du Bhuloka, la planète Terre, elle fait partie du Bhuloka. Donc, quand on prend un corps humain sur la planète Terre, Paramashiva, c'est les seuls... Ok, on va le dire comme ça.
C'est seulement quand on prend un corps humain sur la planète, sur le Buloka, entre autres la planète Terre, que l'on a la liberté de créer. Sur ce plan-là, Paramashiva a donné la liberté de créer. C'est pour ça que le corps humain, c'est une bénédiction. Et ce qui arrive, c'est que quand on utilise ce pouvoir de créer sans comprendre l'essence de la création, on crée notre illusion. Et on se prend dans notre illusion. Donc, le gourou, il est là pour nous faire réaliser que l'on ne crée pas à partir du bon espace. Il faut retrouver l'espace de Paramashivam et utiliser ce pouvoir de création dans l'espace de Paramashivam. C'est seulement quand on crée à partir de l'espace de Paramashivam que l'on ne génère pas de karma. Tant qu'on n'est pas dans l'espace de Paramashivam et qu'on crée, on crée du karma parce qu'on est inconscient de ce qui se passe, parce qu'on a oublié l'espace de Paramashivam. Donc, c'est ça que je voulais partager. Ça, c'est un des gros clics que j'ai eu par rapport à l'hindouisme et l'importance de l'initiation de Swamiji de l'espace de Paramashivam. Donc, le Mahavakya, encore une fois, Om Nityananda Paramashivam. Donc, je vous invite à l'utiliser tout au long de vos journées, dépendant des activités que vous faites, pour vous rappeler que vous êtes cet espace, que tu es cet espace Brahman, que tu es Paramashiva. Tu es l'ultime espace qui englobe tout ce qui est manifesté et tout ce qui est non manifesté. Donc sur ce, si vous avez des questions, des commentaires, s'il vous plaît, écrivez-les en dessous. Sinon, je vous remercie beaucoup pour votre écoute et je vous invite à cliquer sur le bouton « J'aime » pour faciliter la popularité de ces vidéos pour que plus de gens s'éduquent par rapport à l'hindouisme, réalisent l'importance d'avoir un gourou et réalisent pourquoi Swamiji, c'est le meilleur gourou qui est accessible aujourd'hui. Donc sur ce, je vous souhaite Nityanandam, et je vous vois dans la prochaine vidéo. Nityanandam.